En 1920, nous avons, il y a eu deux actes d'achat, le château de Villepoix-Ferré et le château Moulin-Riche, exactement en même temps. Donc Moulin-Riche représente 21 hectares et Poix-Ferré 59 hectares. Léoville, si on parle de Léoville représente énormément dans l'appellation Saint-Julien, puisque si on additionne les trois Léoville, on représente à peu près un tiers de la surface de Saint-Julien. Alors après, bon, il y a trois Léoville, évidemment, qui sont issus de la même propriété, puis il y a eu deux divisions, une en 1826 où une partie des terres ont été vendues à Léoville-Barton, et après, deuxième partage en 1840, une fille Lascaz épouse un monsieur Poix-Ferré, pour le dire simplement, et là ils ont partagé le restant du vignoble et le château a été coupé en deux. Alors, le style de Poix-Ferré a un petit peu changé à partir de 1994, quand je me suis adjoint les services de Michel Roland, puisque j'estimais que les trois Léoville étaient faits par la même personne, je trouvais que ce n'était pas une bonne chose, donc j'ai voulu me différencier. On fait des vins très très fins, très élégants et puissants, très équilibrés. Par rapport à la mode actuelle, moi tous les châteaux vont vers des assemblages à 90% Cabernet Sauvignon. Moi, je suis assez contre. Je préfère garder une proportion de Merlot de 20-25% parce que Poix-Ferré a d'excellentes parcelles de Merlot plantées sur de l'argile et ça donne des résultats extraordinaires. Je pense que le Merlot apporte beaucoup de rondeur et beaucoup de plaisir. Et on s'aperçoit que le Merlot vieillit aussi remarquablement bien. J'ai en tête un souvenir récent de dégustation. Où j'avais sorti du Poix-Ferré 82 à des amis anglais, des très bons dégustateurs, et ils m'ont sorti à l'aveugle que c'était la décennie 90 et que le millésime était très classique.